C'est quoi ce jeu? Mais putain, c'est le jeu sur lequel je suis depuis la semaine dernière. Peut-être même avant. Ça fait une semaine ou deux, je sais plus. C'est Dodgeball Academia. C'est un jeu de Dodgeball dans une Academia. Voilà. Et je pense qu'on a bientôt fini. Ah, laquelle des deux, on va dire celle-là. YouTube et bienvenue dans la suite de Dodgeball Academia, dans laquelle on s'était dit qu'avant d'aller voir la fin du jeu, et ben on allait faire cette quête là, et que avant, pour pouvoir la faire, la mener à bien, on allait se booster le cul aux hormones. La quête des BD. Ah, elle est faite, la quête des BD. Alors, de la force, il faut qu'on lui prenne de la force. Je vais lui mettre de la force, moi. Je vais lui mettre 3 forces. Ok. Est-ce que j'augmente mes PV max aussi? Ça peut être une bonne idée, ça. Augmente les PV max. C'est un peu cheaté tout ça quand même. La technique, on va augmenter la technique aussi un peu plus, parce qu'elle défouraille tellement ma technique. Ah, l'agilité aussi, on va augmenter l'agilité avec un truc qu'il adore. Ouais, je pense que ne serait-ce qu'avec ça, ça va être bon. Blablabla, c'est ça. Alors, c'est parti. Voilà. Elle va tellement défoncer ma technique, putain. Un petit peu pour les PV max. C'est parti. Et voilà, comme ça, je me suis le plus fort du monde. Et on va se prendre à Bouffaille. C'est pas beaucoup du coup. Même sans PV, c'est pas beaucoup. Gâteau aux carottes. Voilà. Sans se pas chier. Hop. Ok. Et là, juste avant d'y aller, je sauvegarde. Comme ça, quand je perds, je reprends ma sauvegarde. Et puis voilà. La glace au bleu se fait soaking de Mars. C'est exactement la remarque que j'ai fait quand j'ai vu ça. Alors on est parti. Par contre, c'est la partie de chauffe, donc je pense que je vais pas gérer tout de suite. Merde. Bon, j'ai perdu un peu de vie, c'est dommage. Ah là là, on est redescendu sous les 10 spectateurs! Comme d'habitude, c'est une hécatombe! Merci d'être passé quand même, les gens qui sont partis. Mais vous êtes partis, donc vous ne pouvez pas m'entendre vous remercier. C'est dommage, vous seriez restés. Vous auriez eu mes dédicaces. Alors on lui laisse. Merde. Ah, il sert à ça aussi. Hop, excellent. Je pars pas, je reboot mon navigateur. Très bien, très bien. Next, please. Ah, quoique, je vais peut-être pas reprendre la sauvegarde à chaque fois parce que je gagne de la thune quand même. Ah putain, il est direct tué. Oh la vache. Comment je l'ai... Défonce!
Ça fait plaisir. Normalement plus que deux, hein, c'est ça. Refusion, nous sommes descendus à 8 viewers, comment c'est possible? Tu pars, tu reviens, on est toujours... on est un de moins. Bien sûr, je vais vous disputer. Ok les gars. Ouais, merde. Putain. On fait exprès mais... Oh là là, merde, crotte. Qu'est-ce que je... C'est nul en plus, j'aurais pu... Non! Ah, si, je vais... Tu vas faire quoi? Ils sont nuls vos ultis, les gars. Ah, putain! On a dit que c'était la partie de chauffe, hein. Dans la merde, dans la grosse grosse merde. Bon app, Random Fury. Aïe aïe aïe. Cette musique de Blues Brothers, hein, franchement. Bon, c'est encore pas pour cette fois-ci, je pense. Ok. Dégage-toi. Dégagez. Oh, sans déconner! Ah merde, non, d'accord, ok. J'ai rien dit. Ah, j'ai tenté, j'aurais pas dû. Allez, ça va aller. C'est pas grave, hein, je vais utiliser l'argent que j'ai gagné pour. Pour acheter des choses, y a pas un truc restaure 50% des PV, ça c'est pas... Ouf. Pain au fromage. Je vais prendre des trucs... Non, ça. Petite douceur. Et après, une petite truffe au chocolat pour finir. Comme ça, on se sent bien nourri. Moi, je tape pas assez fort. J'ai pas assez de HP, c'est parti. Hein. Ils vont regretter, puis c'est tout. Hein. Et j'en prends deux de chaque. Ah, je peut-être pas. Non, peut-être pas. Est-ce que je vais vraiment plus avoir deux thunes, quoi. Ah, la technique. On adore. Elle est déjà pas assez forte, ma technique, putain. L'agilité aussi, s'il vous plaît. J'avais appuyé sur le mauvais bouton. The birdie, the birdie. J'espère qu'on gagne beaucoup d'argent quand on remporte le truc. Ah putain! J'arrive pas à pas me faire toucher, hein, c'est pas possible. Et pourquoi un lot de consolation j'ai gagné?
L'autre consolation, c'est pour quand on a perdu. Je suis loin dans le jeu, bah je suis presque au bout en fait. C'est pour ça que je fais les quêtes annexes. Vas-y, tire, donne tout ce que t'as. Ah merde! Quel con. Coucou Nulli! Nulli plus! Qu'est-ce qui se passe? D'accord, mais calmez-vous. Me gourde de bouton, c'est pas bien, c'est pas une bonne strat ça de se gourder de bouton. Je voudrais voir les... Comment on fait pour les jeter en cloche? Putain, je veux les jeter en cloche moi aussi. Merde. Ah mais merde! Nique-toi! Pas possible. Je veux trop les bourrer et et je pense pas à me concentrer, à me focus sur le rattrapage et la protection. Allez, vas-y, donne tout. Le problème, c'est que tu t'en prends une, après c'est foutu. Ah putain! Je suis le premier déçu. C'est où le truc 100% là? J'en ai plus, j'en avais qu'un. Eh merde. Putain, fais chier. On va pizza à l'ananas, hein. Ça commence. Voilà, jouer défensive. Je suis pas venu ici pour souffrir, je vais tout mis en défense. Putain. Ah putain, j'aime pas quand vous faites vos feintes de merde. Sur la tronche. Bande de mécréants! J'ai plus, j'en suis à combien là? Bon, c'est pas grave. C'est le deuxième, hein. Et c'est le deuxième. Ah là là. Ah putain!
Respect de la zone du jeu sur 20. Bah non, mais dans cette, dans les défis, dans ça, dans cette, dans ce truc spécifique là, il y a pas la zone de jeu en fait. C'est placement libre. Ouais, je me fais défoncer. C'est clair. Ah putain de. Ouais, je vais crever comme ça, comme une merde, et puis voilà. Putain, mais c'est casse-couille. Vas-y, balance. C'est interdit au moins de 16, hein. Je sais pas si vous avez vu. Mais... C'est vrai que je pense pas à ça, moi. C'est vrai que je peux tourner autour d'eux. Je suis con, hein, quand même. J'y réfléchis pas. Exponentialité de la vitesse. Fulgurant. Ah, monter au niveau 46 hein, petit à petit. Ah. La tactique n'est pas tout à fait au point. Ouh. Ah merde, il y en avait un autre. Ah, je suis plus mobile. En avant les histoires. Qui en a la taille en tout cas du plus mobile. Non, moi j'ai plutôt la taille d'un Lego. Moi. Mais j'ai la taille d'un Lego, mais on peut faire plus de trucs avec moi. Plus de possibilités. Ok. Ah putain, je fais trop tôt. Poly Pocket. Ah non, je suis vulgaire Pocket moi. Ok. Jeannot, c'est plus malin avec tes mains. Oh, dis donc, ce matin que je me suivais à 5h du mat, et que j'avais pas envie de me mettre à écrire tout de suite, et que j'avais voulu envie de chiller un peu, et que j'avais plein d'idées aussi, surtout. Enfin, plein d'idées. Quelques idées, plutôt. Arrête d'exagérer. Et bah, j'ai réfléchi à ce qu'on va, à ce que je vais pouvoir faire pour le prochain stream Retro Balls. Retro Buy, pardon, pour Retro Balls. Putain, mais j'ai appuyé sur. Oh là 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 là. Voilà, en l'espace de 12 secondes, ils m'ont complètement ratatiné les fesses. Ouais, j'aurais peut-être pas dû la sortir comme ça. La mustabite. Et du coup, on va très certainement
Parce qu'en fait, j'ai mal introduit le concept. Et je pensais parler de plus de choses et je pense qu'on va revenir. On va réintroduire le concept et puis on va regarder 2-3 trucs comme des vieilles pubs, des machins comme ça aussi. À chaque fois qu'on lancera un jeu, on ira regarder la pub de l'époque du jeu en question. Non, mais aussi qu'est-ce qu'il est lent ce con quoi. Tu aurais voulu montrer plus de jeux par épisode. Oh non, c'est bien comme ça. Non, c'est juste que... Bah, un peu plus d'anecdotes, un peu plus de contexte historique aussi, surtout. À chaque fois, je voulais revenir sur les trucs de l'année qui m'avaient marqué, comme les films, ou ce que je regardais à la télévision, enfin, les dessins animés, les trucs comme ça, quoi. De boomer, quoi. Et puis, bah, avoir des trucs comme des... Voilà, des morceaux de vieilles émissions, des morceaux de... ou des vieilles pubs aussi. Donc, pour le prochain épisode, ce sera... Qu'est-ce qui passe ? Voilà. On reviendra un petit peu sur ce que j'ai déjà fait. On regardera les pubs de Jiromite. Parce que quand j'expliquais, pendant que je jouais à Jiromite, j'expliquais le concept avec Rob le robot et tout ça. Alors que j'aurais pu expliquer avant de jouer et montrer la pub en même temps, ça aurait été beaucoup plus sympa. Puis les pubs Nintendo étaient tellement kitsch aussi. Faudrait déjà arriver à l'aéroport de TMT. Oui, mais non, mais ça j'ai laissé tomber ça. J'ai laissé tomber. Et moi, ouais, quand on jouait à TMNT, j'aurais pu aussi parler des dessins animés de l'époque et tout ça. Bon, raté, décidément. Ah, elle suit, putain, j'ai pas vu. Mais par contre, Zelda, j'ai bien envie d'aller au moins au bout de la première quête. Putain, mais... L'histo de Twitch qui revient quand tu ouvres l'onglet Twitch. Je sais pas de quoi vous parler. Mais je pense que le Zelda par contre on le terminera. Là par exemple, si je termine le jeu pas trop tard, je pense qu'on se fera un petit peu de Zelda avant d'aller se coucher. Mais je comprends pas comment ça marche le truc avec X là, parce que j'ai beau bourriner comme un gueudin. Merde. Dégage. Oh, ça je maîtrise pas, putain. Je suis coincé. Non. Bon, de toute façon, je les aurais pas eu. Oh là, c'est chiant, hein, c'est... Casse-couille. Est-ce que ça, la situation brunée, c'est... C'est la solution. Je sais pas. J'ai récupéré de la thune. Je vais réaugmenter ma force. Et mes HP. En gros, Coach Edwin disait... que quand on fermait Twitch et qu'on le rouvrait, il y avait l'historique des dernières conversations. Je lui ai dit que je ne voyais pas ça sur ton Twitch. Ça a marché sur le sien. Mais ça dépend de ton navigateur, ça dépend pas de Twitch, non ?
les deux sur le même navigateur. Ouais, mais vous avez peut-être pas coché les mêmes restrictions dans les paramètres. Ah merde, attendez, je me suis pas dopé, je suis con. Pas de commentaire. Merde, t'es con. Ah. Boisson à la size, c'était quoi ça? Ah non. BMAX. Bordel de merde. T'as oublié où était le level 2 de quoi, Tangeek. Le Zelda. Ah, le premier, c'est ça? Ah bah t'aurais dû regarder le stream. Il a fallu attendre le level 6 pour que je trouve enfin. Merde. J'ai regardé le stream assez attentivement. Merde. J'ai vu un X où le mec téléphone avec une télécommande télé. C'est sûr que c'est pas du troll ou du second degré. Ou qui force pour que ça fasse un truc viral ou je sais pas quoi. N'est-ce pas là? Oh bah tiens, c'est la balle empoisonnée. Bah vas-y, prends. Ah merde, bon d'accord. Là pour une fois, celle-là, je l'ai, hein. Y'a pas de soucis, les balles empoisonnées c'est pour moi. C'est les 4 tombes! Merde! Non! Ah! Putain, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi con! Yop, solo! Voilà. Oh là là. Je crois que c'était fini, j'avais arrêté de jouer. C'est la décatombe. Oui, c'était une ref à Spaceball, tout à fait. Mais c'est pas possible d'être aussi con.
J'ai tout pris. Vous allez arrêter les esquives tout de suite. Merde. Oh là là. T'en loupes une, c'est foutu. Allez, mettez-vous bien en ligne. Ah merde, c'est une par une. Merde. Possible ? Non. Pas possible avec la carte Kiwi. Putain, je suis déjà en train de mourir ! Non ! Oh. Non, non. Ah, les balles lentes de merde, putain. La dernière phase est chaude. Quoi. Je vais finir pas plus avoir de... de truc, moi. Putain, les chips, c'est bien les chips. Avec, hein. T'as pris de la gueule comme une ardeuse. Va falloir me payer plus cher, hein. Ouais, mais les points XP, il y en a pas beaucoup. Je les garde, mais il y en a... C'est quoi, c'est 10... Ouais, voilà. C'est 10 points d'XP à chaque fois, c'est rien. Tu vois, ça monte à peine, la barre, elle monte à peine à chaque fois. Oh non, le chien. Oh, ce Neko est passé au niveau 45. Ça fait une heure qu'elle est à 44. Donc elle est sur le point de passer à 45. Je vais partir en tourette, hein, je suis désolé. Tu vas crever. C'est un point de vie, mais je m'en fous. Okay, attendez, parce que moi je voulais regarder. Heures perdues, stress, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, coach? Un cousin de Luron. Oh là là. Allez, on cherche pas à esquiver, c'est pas grave, c'est pas la peine d'esquiver. Ouais, ah ouais. Mais qu'est-ce qui t'arrive, coach? Un montage qui a foiré ou quoi?
Ok. Je vais te faire stresser de la finale. D'accord. C'est pas la finale encore, c'est la finale, c'est après. Ah, il avait dit 83 HP, j'ai lu heure. Je sais pas. Désolé. Aïe aïe aïe. Regardez-moi ça, quoi, d'entrée de jeu. Mais putain! Chiant! Allez, c'est bon, voilà. Putain, ça me saoule. Ça commence à me saouler, hein. Non, je suis pas le bon ton. Pourquoi j'oublie instantanément comment jouer? Quand ils sont 4, ça va encore, mais 5, c'est vraiment surtout qu'ils font des lancers de FDP. On est lancé de fils de pétain. Assez vénère. En même temps. Tu t'en prends un, tu te prends tout. Merde. Oh la vache. Non. 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 J'ai dit non. Des lancers de frais de poutine. C'est ça. Fils de poutine. Non, ça me donne faim. Ouais, voilà. Bien que j'en ai jamais mangé. Alors qu'on a un restaurant québécois pas loin de chez nous. Et qu'on a prévu d'y manger. Où j'y emmène ma frangine d'ailleurs. Voilà, quand t'es trop près, tu vois. Putain de bande de connards! Fais chier! Ça me casse les couilles. Oh là 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 là, allez, ouais, vas-y. Je reviens de bon. C'est bizarre, attendez, j'envoie un message à Jonah.
Oh bah écoutez, on va encore se doper, hein, moi je vois que ça. Hein. On mange des chips avant. On va manger des chips. Oh, c'est un peu trop des chips. Un petit pain au fromage. Allez, pour faire des proutes diaboliques. Donne-moi de la force. Donne-moi le pouvoir. On va prendre de la force et on va prendre des HP. Je me bourre. Hein. Moi j'ai bourré mes HP. On peut pas augmenter ça. Ah quoique je pourrais peut-être regarder dans mes accessoires. Je suis con, j'ai pas pensé à ça. Ah mais elle, ça strate de rester assis, de rester par terre, ça marche. Moi, ça marche pas. Quand je reste par terre, je me prends quand même tout dans la gueule, ça m'énerve. C'est pas incroyable hein, pourtant. Enfin, je jouais mieux tout à l'heure. Dans sa grosse face. Ah non. On le fera quand on aura gagné. Oh, une part de pizza ketchup, c'est dommage. Ça fait quoi les pizza ketchup, je sais plus. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Qu'est-ce qui se passe? Ça a bugué? Putain de balle à la con là! De grosses fats! Putain, je déteste ça! Non! Je crois que c'est lui qui... Oh là 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 là! Quoi que je fasse, j'arrive en finale avec aucun HP. Ça m'énerve, putain! C'est pas la peine, je vais encore me faire botter le cul là.
Non. Ah merde, non. Je reviens dans une minute, je vais dire bonjour à ma chère étendre qui vient de rentrer. A tout de suite, j'arrive. Putain, il a pu passer dans mon bureau. Bref, nous revoilà. Des bisous bien chaleureux là, madame. Eh oh! Tu peux te calmer tout de suite. D'où t'es chaleureux avec ma madame, toi? Des petites truffes. C'est vraiment pas beaucoup. Et puis une petite truffe. En toute amitié. Bah j'imagine bien. Ouh, comment t'écris Sean toi? C'est C. C'est S. Non, c'est pas avec un C. C'est avec un U. C'est Chun. C'est toi la petite truffe, d'accord. Chun. Ouais, c'est vrai qu'en français il l'appelle Chun, mais c'est vrai. Or que c'est Chun. Ah mais arrêtez un petit peu avec vos rêves de boomer là. Pourquoi? Aïe. Bonsoir Kumakazu. Ou Kumakazu. Quelqu'un dit des répliques de boomer, tu veux que je le banne? Tu n'as pas ce pouvoir, ton geek. Ça y a le sang de mes veines. Oui, bah voilà. Tu vois, pendant les anecdotes, là, des rétro-bails, on pourrait parler de Senseiya aussi un petit peu. Et d'Araki. Parce que c'est vraiment... ces dessins qui ont... bercer mon enfance. Parce qu'il bossait sur les Leiji Masumoto que je regardais quand j'étais gamin. Alors voilà, merde. Et à chaque fois que je vois un artwork de d'Araki, je suis
Ah, ça me fait vraiment un truc, là. Ça me fait des sensations de fou. Faut faire des rêves de boomer parce que si on attrape boomer, on efface son haine. Ah, j'ai pas vu Hunter Hunter, j'imagine que tu parles de ça. Mais je n'ai toujours pas vu Hunter Hunter. Alors ça fait quoi de tout se prendre dans la gueule, connasse? Pardon. Oh non! Faites pas ça! Mais arrêtez! Toi dégage! Ils sont pas morts? Comment ça? Bientôt le spectacle, ça ne sait. Bah ouais, ça fait 2 ans qu'il est repoussé! Ça fait 2 ans que je veux le voir! On a acheté nos plages, je crois que c'était en novembre 2019, je crois, un truc comme ça. Un peu plus, quoi. Il repoussait tout le temps, tous les 6 mois, il repoussait. Mais ouais, j'ai tellement hâte, quoi. Tu seras aussi, Nil? Pourquoi je fonce dans le tas comme un con de merde? Ok les gars, maintenant on rigole plus. Concert de Sting. Putain mais c'est les darons qui vont voir Sting. Non? Bah je rigole. Enfin c'est un peu ça quand même. Boum! Oh! En fait, il suffisait que je fasse un bisou à Johanna. Voilà. Tochiba pour les darons. Incroyable, tu as réussi un nouveau champion à atteindre le sommet. Tu es le nouveau héros, l'un des rares à y être arrivé. Parce qu'il paraît, tous ont réussi dans la vie une fois diplômé. Bref, le tournoi clandestin est terminé, c'était génial. Et bien sûr, voici ta récompense. Armure excessive. Putain, super, ça saute bien, ça. Et voilà. Parfait. Ah, il y en a encore, on peut encore en faire. Je voulais faire. Bon, c'est bon. Équipement. Ah, réduit la force de 20%, putain. Mais c'est nul en fait. Putain, j'ai fait tout ça pour ça. Dégoûté. Et la porte, là, elle s'ouvre jamais? Ah merde! Jamais elle était à Athéna. Elle t'a amené à te dépasser, chevalier. Oui, c'est ça.